AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. L'artiste de renommée internationale qui a posé ses pochoirs aux quatre coins du monde s'est emparé des murs de Marc-en-Barœul pour y installer une part de son univers si poétique. La technique que j'utilise maintenant depuis près de 40 ans, c'est la technique du pochoir. Donc le pochoir, c'est vieux comme le monde. L'homme des cavernes pratiquait déjà cette technique quand il mettait sa main sur les parois des cavernes et qu'il soufflait des pigments. Donc c'est une technique simple, mais qui a été remise au bout du jour depuis que ce qu'on appelle aujourd'hui le street art ou l'art urbain a vu le jour. Parfois, je fais une maquette très très précise sur mon ordinateur où chaque centimètre est prévu. Et puis parfois, comme ici, j'improvise. Chaque jour, je me dis, tiens, on va faire ci, on va faire ça. J'avais quelques idées de départ, mais en fait, chaque jour, il y a une improvisation totale. C'est-à-dire que je ne sais pas encore quels seront les personnages que je vais ajouter. J'espère que pour tous les gens qui vont passer ici, ces petits compagnons vont peut-être accompagner leur quotidien tranquillement et modestement. Les gens, j'espère, peuvent se reconnaître dans ces petits personnages. Quelquefois, j'ai des passants qui me disent « Ah, j'habite juste à côté, je le vois tous les jours, prenant mon chien, je le reconnais, je vois un petit détail à chaque fois. J'espère que ce sera par pain parce que ça fait partie maintenant du quartier. » AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.